Bonsoir tout le monde, c'est Arnaud de Lane pour une vidéo. Et là ce soir on va vous présenter peut-être l'un de mes jeux de plateforme favoris de tous les temps. Des temps anciens Ne et. pas chier que ce soit sur Xbox. Ouais. Ouais, il est sur Steam aussi. Ouais, je sais. Et c'est qui ont fait le jeu? Je me rappelle plus. C'est japonais ou c'est américain? Les Américains. Bah, c'est bon, d'accord. On passera à l'intro. Un des points forts du jeu, c'est la musique. Enfin, l'un des points forts, donc c'est la cerise, quoi. C'est pas un point fort, c'est la cerise. On la retient en plus. On la retient bien, hein, franchement. D'ailleurs, il y a eu un flipper sur Pinball FX. Il y a cette musique aussi. Il y a aussi cette musique. Et bon, alors ce jeu, il est très particulier pour un jeu de plateforme. Je vais vous expliquer en quelques mots. Tu fais les premiers niveaux ou tu fais... Tu fais les compliqués Ah ouais, je vais peut-être faire le premier niveau, non? Ah, c'est mieux, t'as perdu la main peut-être. Ouais, là j'ai quand même pas mal perdu la main. Même si entre nous, il y a quoi? Deux boutons, hein. Il y a un bouton, ça se joue à un bouton. Ouais, c'est pas mal le saut. Voilà, là c'est le... Ouais, voilà. Alors... T'as eu toutes les chaussures. Là j'ai, ouais, je crois que j'ai eu toutes les chaussures. Alors, 1-1, ouais, bah c'est ça. Allez, on va commencer. Alors, on va expliquer le gameplay. Ouais, c'est marrant. Ouais, il y a eu un flipper donc sur Pinball FX. Alors, le jeu fonctionne comme ça. Dans ce jeu, on peut faire qu'une chose, c'est exploser. On est Mrs. Explosion Man, la copine de Explosion Man. Et donc, on explose. En explosant, on saute. Et on peut exploser 3 fois de suite. Mais pas plus. On va dire que même la troisième fois, c'est plus... C'est plus par politesse. Voilà. Donc, hop, ça nous fait rebondir sur les murs. On peut, voilà, rebondir sur les murs. Mais il faut vraiment gérer... Il faut vraiment penser qu'on n'a que trois... On n'a que trois... Voilà. Ils appellent ça les splouches. Ah ouais? Ouais. Des splouches. Bon bah certes. Et le jeu va très vite après quand on le connaît bien. Ouais, pour le speedrun. C'est un jeu à speedrunner, ouais. Ah merde, on est ta soeur. C'est vrai que c'est un jeu à speedrunner ça. Et c'est grisant hein, d'exploser dans tous les sens, sauter. En plus ça va être très rigolote. Si on écoute ce qu'elle dit, Mrs. Explosion Man, c'est marrant quoi. Ouais, des fois elle chante. Elle chante les Spice Girls d'ailleurs. Elle dit des bêtises, elle crie. J'apprécie beaucoup ce personnage. Ouais, d'ailleurs, Mrs. Explosion Man était encore plus con. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Enfin, elle était plus stupide. Ouais, plus stupide. Ouais. Bien qu'elle en tienne une couche elle aussi. Hein. Oui, ouais. Mais c'est vrai qu'il était plus con encore, Explosion Man. Bah là, à l'école, on dit que Explosion Man, il était débile. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il était bah déjà, faut être folle pour être fiancé à Explosion Man. Voilà. Hop. Et ça va très vite, hein, le jeu va très vite, hein. Ah, c'est pire que Sonic. C'est pire que Sonic, hein. Quand on joue bien, c'est très rapide. Quand on joue, ouais. Bon, là, ça fait longtemps, mais... Celui-là, ouais. Je l'ai dosé, hein. T'appelles à un moment j'arrêtais pas de la dessiner Mrs. Explosion Man, j'arrêtais pas de la dessiner. C'est vrai, on peut dire que t'étais fan. Hein. Ah ouais, je suis toujours fan, mais... Non, regardez-moi cette gueule qu'elle a. Elle est marrante. Ah, il y avait un boss dès le départ. Je me rappelle plus. Bah moi non plus.
Ah, il est chouette ce jeu. Qu'est-ce que t'en penses toi? Il est dur. Hein. Ouais, il est dur. Il est plus dur que Super Meat Boy. Ouais. Ah merde, je suis déjà mort. Allez. Ah mince. Allez. Ah, par contre graphiquement la merde. Le jeu est beau mais c'est pas non plus une tuerie hein. C'est un beau jeu. Il est propre, voilà. Il est honnête. Hop là. Là faut vraiment pas que j'oublie qu'après il y aura le truc à déclencher. Voilà, c'est là. Yeah! Ouais, c'est un peu un Die and Retry, hein, ça, on peut dire. Ouais. Comme ils disent. Comme ils disent. Voilà, elle a plein de petits onomatopées, de petits cris. C'est vraiment rigolo, hein, vraiment. Hop. Ah non. Voilà, ça n'arrive pas quand on est habitué au jeu. Hein. Ouais. Ah, un petit gars. Faut que j'arrête d'imiter Miss Explosion Man parce que... Voilà, hop. On fait beaucoup de wall jump dans ce jeu. Mais c'est de l'action, de l'action, de l'action ce jeu. Ça n'arrête jamais. C'est clair. Ça n'arrête, mais jamais. Si vous êtes du genre hyperactif et tout, vous jouez à ça, vous êtes... Ah ouais, voilà, un petit wall jump et boum, dans ta gueule. Au début, c'est simple. Ouais, au début, ouais, c'est vrai. Après, la réflexion et tout. Alors là, il va me faire quelque chose, non? Non, il faut... qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, on peut y aller. Qu'est-ce que je suis censé faire? Pas de piège, bon, d'accord. Ah mais c'est le départ aussi, c'est le début du jeu. Après ça se complique. Ouais, bah, après, ouais c'est vrai. Ouais. Costaud. Ouais. Ah, après ça se complique vachement. Là il a l'air... Quoi? Comment un? Ah attends, je vais attendre que le truc se arrive. Voilà. D'accord. Voilà, voilà. Là. Hop, un petit peu de descente en rappel. Boum. Et bim. Super. Ah ça par contre, si vous avez une Xbox 360, il faut l'avoir fait ce jeu. Ouais. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est obligé, c'est obligatoire. Vous avez une Xbox 360, vous n'avez pas joué à... Ah, Miss Explosion Man, vous avez loupé un truc. Hein. C'est clair. Alors là, par contre, là, il y a quelque chose qui devrait apparaître, non? Voilà, voilà, c'est ça. Boum! Paf! Dans ta gueule! Faut lui exploser dans l'œil. Ah, non, là... Ah, comme c'était tout pourri! Là, il faut exploser dans sa main, pour qu'il nous laisse tranquille. Allez! Ah. Allez. Ah. Ah, il faut s'accrocher. Ouais, faut faire un wall jump. Boum. Ah ouais, c'était pour l'éviter, d'accord. Ouais.
Ah, au départ, il nous donne beaucoup d'indications sur comment les choses doivent se dérouler. Mais après, c'est un vrai puzzle game. Ouais, c'est un vrai puzzle game. Ça, après, ça devient vraiment un vrai puzzle game. Oui. D'ailleurs, souvent, on est bloqué parce qu'on sait pas quoi, comment aborder le jeu. Ouais, par exemple, sens d'observation. C'est vrai, ouais. Là, par exemple, voilà. Ah merde. Mais quel naze. Heureusement que là, il fait le teubé, là. Le... Voilà. Là... Ah, quoi? Ah, j'ai loupé quelque chose. Ah, peut-être que j'explose. Ouais, voilà, ah, voilà, c'est comme un... Il y a une crise plate à chaque fois, ce qu'il faut. Ouais, appeler. Un quick time event. Et le boss de fin est mythique, en plus. Ah ouais, le boss de fin est mythique, on va pas vous spoiler, mais... Pour les fans de rétro gaming, vous faites le dernier boss, normalement, vous avez un petit sourire. Ouais, un gros, même. Un gros sourire, ouais. C'est vrai, ouais. C'est vrai, bonne... Bonne remarque. Hein? Faut t'en rendre. Elle a une voix marrante, moi. Yeah, bah bien sûr. Oh. Ouais, non, bah, ouais, c'est bien ce que je pense. 36-39, c'est pas le truc de Pôle emploi. Je sais plus. Non, hein. Je ne sais plus. Attends. Voilà. Hop. Putain, ça me fait penser que j'ai toujours pas fait mon comment ça s'appelle, hein. Actualisation. Mon actualisation. Non plus. Là on est en mode bas les couilles. Hein. Allez. Mais qu'est-ce qu'on arrête là, non? Là je crois que les gens ont compris. Bon, ah, voilà. Il y a une boutique aussi. Ouais, il y a une boutique, il y a des choses à acheter. Bon, on va montrer ça. Allez. Hein. Et à quoi elles servent les chaussures? Ah rien, c'est pour les succès. Les succès, hein. Alors, images. Voilà, il y a des images à débloquer. D'ailleurs, on va en montrer quelques-unes. Ouais, elles sont assez marrantes. Et on les voit, ces persos, là? Enfin... Enfin, disons que c'est des prototypes de personnages. Elle a un popotin, hein. C'est prototype de personnages. Ouais. Dont certains ne sont pas apparus. Hein. Là, il y a même des courts-métrages. Il y a des courts-métrages, il y a... Ah oui, avec le mec déguisé en ce que j'aime mal. Ouais. C'est marrant, hein. Il y a les musiques. Bah, qui sont énormes, hein. Ces musiques sont vraiment énormes. Ça, les musiques sont superbes. Ah, celle-là elle tue. Elle est énorme, celle-là. Mais d'ailleurs, j'y ai joué l'été dernier. J'étais dans le bain, là, avec cette musique. Avec cette musique, jouer à ça l'été. C'est énorme. Ce jeu. Vraiment, faites-moi plaisir, vous avez une Xbox, vous n'avez pas joué à Miss Explosion Man, essayez-le. Hein. Après, c'est vrai qu'il faut débourser un petit peu d'argent, mais... Combien il doit coûter, celui-là? 9 euros, je crois. 9 euros? 9 euros, bah, ça vaut le coup, franchement, ça vaut le coup. Exclusivité, c'est quoi? T'as pas tout débloqué. Ouais, j'ai pas tout débloqué. Ah, le truc en bas, là, mets-le. Ah, ça, c'est les développeurs du jeu.
c'est énorme. Ils ont beaucoup d'humour. Ils ont fait un autre jeu avec une moto, j'ai pas... Ouais, c'est pas top. Hein. Il paraît que c'est pas top, ouais. Ouais, ils ont fait le jeu là, avec le super-héros, le Captain Smiley. Non, il s'appelle pas comme ça, le jeu. Oui, ouais, je vois ce que tu veux il dire. Il est bien. Il est bien. Ouais. Et ils ont fait The Bow aussi. Ouais, ça, j'ai pas joué. J'ai fait les démos des autres jeux, mais j'ai pas joué à ça. Voilà, et là, bon, ben... Il y a un passage secret à débloquer, je crois, dans tous les niveaux, il me semble. Voilà, bon, ça c'est un clin d'œil. Hein. C'est quoi ça? Tu l'as déjà fait ça? Si, si. Mais tu peux pas y aller dans les niveaux. Ah bon. Ah, à mon avis, il faut les chaussures. Tu crois? T'as un certain nombre de chaussures, peut-être. Routeuse et toi. Non, moi, il me semble que c'est un clin d'œil à Mario. Ouais, ouais, ou je sais pas. Je sais pas, mais je pense que c'est peut-être des chaussures qu'il faut. Non. Non, moi, il me semble que c'est vraiment... Ça sert vraiment à rien. Il me semble que ça sert vraiment à rien. Voilà, ouais. Bah oui, vu ce qu'il dit le gars... Il dit, il n'y a rien à voir ici, c'est une blague. Ouais. Quoi? C'est on dirait que c'est un faux bonus, quoi. Tu débloques un truc qui sert vraiment à rien, quoi. Voilà, il y a des trucs... Là, il y a des nouveaux... Il y a des niveaux plus difficiles à débloquer. Je l'ai pas fait, celui-là. Non. Bon, on peut se quitter là-dessus, hein. On va se quitter là-dessus, on va... Je vais faire le... Je fais le monde et en même temps, on dit au revoir. On voit de quoi il en retourne. On va aussi... On va aussi montrer que le jeu est assez difficile. Ouais, là c'est marrant parce qu'on rentre dans le corps de la... Je comprends pas là. Non, je comprends pas. Bon, de toute façon, on va se quitter là-dessus. Là, vous voyez que les mécanismes commencent. Les mécanismes un peu plus compliqués commencent. Ouais, là, ça devient complexe. Donc voilà. Bon, on va se quitter là-dessus, les enfants. On vous fait des bisous. Bisous. On fait une spéciale dédicace à Benny Cake. On lui fait des bisous et ah, oui. et à plus tard. Ciao. À plus.